Tourné en 8 mm en 1962 à Blida, en Algérie, ces images montrent un exercice de parachutage d'une jeep militaire à partir d'un avion de transport de l'armée de l'air de type Nord-Atlas 2501. Le faible poids et l'encombrement minimum de ce véhicule tout-terrain font de lui un engin extraordinairement maniable, dont le principal mérite est de passer là où d'autres 4x4 échouent en général. Accessoire indispensable en brousse, la remorque permet entre autres le transport d'une réserve d'essence qui allonge considérablement l'autonomie de la jeep. On doit être sur un point culminant. Ah oui, c'est probablement un point géodésique. Regarde, le panneau. Qui quitte le village de Boubon. Ils vont certainement chercher du bois, chercher chargement de bois. Et qui sont de retour demain matin, dans la matinée. Nous voici donc sur la route, la sortie de Villadé pour venir avec Valérie. Merci, on reste. Voilà un trou. Et je me souviens donc avoir vu les girafes sur la gauche. Voilà la piste. Encore au moins quelques piétons qui sont très denses. Des automobilistes. Voyez, on est passé. C'est pas facile de conduire ce film, mais à ce cas-là. Alors, je me souviens aussi avoir tiré quelques perdrons dans longtemps. Et on est un matin de bonheur, lorsqu'on avait tiré les canards, du côté de Karma, tout bon. Nous venons de quitter dans cette ville de Villadé, et on est un peu dans le terrain, là, dans les parages, un peu dans cette piste,
et le fleuve. Alors voici les paysages qui se présentent, les herbes sèches et les épineux qui sont verts.